بونجور اي بيانفينو او بودكاست غرين دو في. سلام ومرحبا بكم في البودكاست ديال غرين دو في. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Graines de Vie, le podcast. Je suis très heureuse de vous revoir, en fait, ou que vous me voyez, plutôt. kind of. Aujourd'hui, on est au Baby Show. On est le 31 mai 2024. Et je suis très heureuse d'être dans un nouvel format et nouvel épisode du podcast parce qu'on a un nouveau... de nouvelles personnes, on a un nouveau sujet et on est toujours en compagnie de ma copine Raoula. Et je suis très heureuse parce qu'on accompagne une nouvelle marque qui vient de s'installer au Maroc et on va en parler pendant une heure. Alors, صباح الخير عليكم. بحال ديما انا عندي الحماس في البودكاست باسكو هو الفورمات اللي كيعجبني واللي كنرتاح فيه. اليوم بقينا كنقولوا علاش غادي نهضروا بقينا كنقولوا ان اشاك فوا الصعوبه كتكون في الاول ديال ليكسبيرانس ديال الامومه. اي كاين واحد لو سوجي كنسمعوه بزاف ديال لي دومين. حنا قلنا اليوم غادي نديرو بارنتين 101 ابوه للامومه 101 صدير لي باز لي زوين. اليوم ان كاينين امهات عندهم تجارب مختلفه. كاين اللي عنده وليد, كاين اللي عنده بنيته, كاين اللي عنده جوج, ثلاثه كاينين ثلاثه وي. اي لي زوين عاوتاني سي كو معنا من الامهات اللي معنا اليوم, معنا فاطمه زهره الدباغ اللي هي فارماسيان دكتور ان فارماسي. اذا اليوم ما نبقاوش هذوك لي كونفرساسيون اللي كنبقاو غير نشكيو على بعضياتنا, مره نضروا عند فاطمه زهره اللي هي عانات معنا في الامومه ديالها, اللي تجاوبنا مره على الاسئله ديالنا. البنات مرحبا بكم معنا. الله يبارك فيك. معنا فاطمه زهره وعندنا امينه. يلا شرفين امينه. مرحبا. الله يبارك فيك. ميرسي بوكو. Alors, je suis maman, je m'appelle Amina, je suis maman de... j'ai 29 ans, je suis maman d'une petite fille de 8 mois. Tabarakallah, comme ça. Et, pardon, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Écoute, qui était ce jour à l'ouline, ou d'idia? D'accord. Alors, ça n'a pas été facile, franchement. Question, d'abord, parce que ça commence comme ça. Ah ouais, je suis à l'ouline. Est-ce que tu avais envie d'être mère? Est-ce que tu avais envie d'avoir un bébé? Alors, sincèrement, c'est venu à l'arflant. Voilà. Donc, est-ce que tu étais préparée? Non. Psychologiquement, parce que c'est comme ça que ça commence. C'est très important. Non, je n'étais pas préparée. Sincèrement, je n'étais pas préparée. Après, une fois que le bébé est... Enfin, que, une fois que j'avais su que j'étais enceinte... Alors, c'est première étape. Oui, j'étais donc, pas... Donc, tu l'absorbes, l'information. J'étais pas mécontente non plus. Oui, là, je me suis dit, c'est bon, fille, après, j'ai... Question, curiosité, parce que je pense. En fait, on dit toujours les podcasts, on a des bergagates. Regarde les questions, comme tout ma phrase, on a qu'un seul. Parce que c'est vrai, des le chit-chat, comme ça, on a un peu de temps, je connais Amina ou Oumouma qui d'Azet. Je n'ai pas de question. Loul, ou la tienne. Tu t'es mariée combien de temps après, avant? Ouais, la grossesse mariée, c'est intégette. C'est-à-dire que tu t'es mariée, tu as eu un enfant, ou là tu as eu du temps, tu vois ce que je veux dire? Ça faisait même pas un an. Donc voilà. Ouais. Ouais, donc là, c'est assez rapide, tu vois le truc. C'est tout le temps enfin, moi je sais que quand je me suis mariée, moi je voulais un enfant, tu vois. D'accord. Moi j'avais des problèmes au PK pour celles qui savent, ovaire polykystique. Ouais. Donc pour avoir un enfant, je vous raconterai dans un autre épisode. Bah, justement. Tu es au PK aussi? Oui, j'étais au PK. Ah ben bah voilà, tu vois, je comprends. Je disais que c'était pas possible que je tombe aussi rapidement. Pause. Du coup, j'étais... OPK, c'est quoi? C'est ovaire polykystique. C'est lorsqu'on a des ovaires et des kystes, des ovaires remplis de kystes. Et donc, du coup, ça... Voilà, des micro-kystes. Mmh. Mais en fait, c'est pas vraiment des kystes. C'est juste quelqu'un qui l'avait appelé comme ça et tu connais... Ouais, et ça... 50 ans après. L'idée, c'est que on n'arrive pas à ovuler, donc la fécondité est très difficile, l'ovulation aussi. Donc on a différents OPK, on a le fait que on a des règles très irrégulières. Exactement. Tu confirmes. Ouais. On a des règles, on a de la pilosité, on a l'ovulation, tout un chamboulement hormonal. Et surtout que avec chamboulement, ça veut dire que c'est très marrant parce que moi je leur disais tout le temps, j'ai jamais mes règles, mais c'est tout comme. Je peux avoir des crises d'angoisse, je peux avoir mais oui, je peux avoir mes seins qui me font mal, je peux avoir des crises de pleurs, des gravings, le frigo coulouille, mais ça sort pas. Donc voilà, parenthèse close. Donc tu es au PK, donc et c'était un miracle quand même, ou là une petite surprise d'avoir un bébé? Oui, en quelque sorte. Ok. Je m'y attendais pas.
je m'y attendais pas parce que je me disais avec mes OPK et tout ça allait prendre. Bon, je me disais pas non plus que j'étais stérile, mais ouais. Bon, je me disais que ça allait prendre un peu plus de temps. Ouais. Et du coup, quand bébé était là, bon. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, j'étais contente. La grossesse. Alors, la grossesse, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai passé une grossesse très très difficile. J'avais une infection, enfin, je faisais des infections urinaires à répétition. Aïe. Oui. Wow. Et du coup, on sait comment on fait ça? Je ne sais pas, mais je sais que ça fait trop mal. Oui. Bah alors, comment c'est on très fréquent, chez la, c'est surtout chez la femme enceinte. Mais comment on chope ça? On ne peut pas dire manque d'hygiène. Ah. Surtout, c'est la baisse d'immunité. Ok, ouais. D'accord. Ah bah, tu vois, la femme enceinte. Moi, j'ai aussi idée là. Moi, j'ai eu ça postpartum. Et un homme ça presque un souci de l'hygiène intime. Après, mon gynéco, là. Non, tu as une baisse en immunité, voilà, mais je sais que c'est pris, c'était une douleur atroce. Oui, okay. C'était horrible. En fait, je l'avais déjà avant de tomber enceinte, mais avec la grossesse, vu que, comme elle a dit, l'immunité elle baisse. En baisse, j'ai développé un germe multirésistant. Et donc, j'étais résistante constant à toutes sortes d'antibiotiques. C'est ça le problème. Et surtout que quand t'es enceinte, tu peux pas prendre l'antibiotique, on est d'accord. Avec l'antibiotique, qu'est-ce que je veux dire, l'antibiogramme qu'elle donne, je t'arrache notre dire, il y en a j'ai jamais entendu ça. Qu'elle donne des analyses, il y a l'antibiogramme, il y en a antibiotique, qu'elle donne des analyses. Justement, moi, c'est l'antibiogramme qui est résistante à tout. À tout. Ben oui, je sais. Ah oui. Du coup, j'étais obligée. Ils m'ont donné. Enfin, c'était un antibiotique qui passait par voie intraveineuse, très très fort pour les. Ouais, je suis désolée. Oui, t'as été hospitalisée et tout? Oui, 10 jours. Je suis désolée. Oui. Et t'étais à combien de mois de grossesse? J'étais à 6 mois. Ah ouais, quand même. Waouh. Ouais. Wow. Mais vraiment. C'était quel genre de combat? Des Escherichia coli. Escherichia coli, c'est quoi? Escherichia coli, c'est. C'est un chenille maghrébin. C'est la bactérie. Ok, d'accord. Qui a causé cette infection? D'accord. Je suis désolée. On arrive à l'accouchement. Oui. Alors, franchement, l'accouchement, c'est beaucoup mieux passé que la grossesse. Ah, oui, on aime. Oui, je retiens. C'est une très belle expérience. Par césarienne, sûrement. C'était pas okay. Ouais, alors, déjà. C'était par césarienne. Alors, question. Est-ce que c'était vous je pense que je suis la bergaga de cet épisode. Hein. Salut. C'était voulu, programmé? Oui, c'était voulu. Alors, c'est génial. Alors, on arrive. Tu vois, ce qui est bien. C'est qu'elle a dit c'est génial, alors que d'autres ont tendance à dire oui, c'est la voie de la facilité. Oui, tu vois mais... Moi je dis que c'est génial parce que quand tu barres chez Jaouder, tu as. Dert, les ouïnes, ou l'accouchement conscient. Un barre le césarien, voilà. Un petit peu l'accouchement d'Yéli, un échou pleinement. Exactement. J'avais tellement souffert la grossesse, je me disais ça fait, je veux plus souffrir. Voilà, ouais. Donc j'ai choisi la césarienne. C'est bien. Et franchement, c'était top. Elle a dit on va enlever la culpabilisation. C'est très bien. On est dans un. On aime, vraiment. On est dans un. Grain de Vie est un média qui est dans la bienveillance et dans la zéro culpabilité et que tous les choix de maman sont en fait les meilleurs choix de l'enfant, tu vois. Donc, du coup, on va en parler, on va parler de tout. On va parler de la prise de biberon, on va parler du lait artificiel, du tire-allaitement, on va parler de la tétine. Mmh. Et en fait, tous les choix sont les meilleurs choix des parents pour leurs enfants parce que bah, l'enfant, il est né. Il est né dans une famille que c'est dire B, moi, ça râlait. Et donc, au final, on est le meilleur parent pour son enfant. Ça, c'est ma conviction, encore une fois. Oui, mais tu es. Vous êtes libre de penser autre chose. Mais tout de même, on ne va pas être les mêmes personnes. Tu vois, chacun comment. Sinon, exactement. On aurait été très ennuyeux, robotique. Kemel, donc, du coup, l'accouchement, c'était quelle date? Alors, c'était le 7 octobre. OK. Un scorpion? Non, c'est pas un scorpion. Non. Balance. Alors, en fait, ma gynéco, bon, je ne sais pas si je vais vous dire ça. Je sais que c'est le docteur Bouchriat. Richa. Oui, Richa. Vous avez la même gynéco. C'est vrai. Ouais, ça fait docteur Bouchriat, c'est la docteur de Graines de Vie. C'est la gynéco de Graines de Vie. Oui. D'ailleurs, je l'adore. Alhamdoulilah. C'est mon gynéco préféré. En tout cas, elle m'a essayé au début, elle a essayé de me dire, viens, entendre la voix basse. Vu que j'avais un problème d'infection urinaire, parce que c'est elle qui suivait avec moi. D'ailleurs, c'est elle qui a demandé à ce que je sois hospitalisée pour l'infection urinaire. Okay. Et tout, parce que j'avais un problème rénal à cause de mon infection urinaire. Ouais. Donc, je devais accoucher le plus rapidement possible. Elle m'avait proposé d'être déclenchée. Bon, je n'ai pas voulu, d'où le fait que j'ai décidé que ce soit la césarienne. Ouais. Parce que pour moi, je ne voulais pas être déclenchée.
Et du coup, après, elle m'a dit, écoute, si tu as une mauvaise expérience ou donc moi aussi je t'encourage à le respect ce qu'on fait dans les deux sens qu'on respecte l'homme qui a dit عندك كتبغي دير césarienne mais en même temps fais chez وحده وتعواج ليك وتقول لك بغيت ندير voix basse قول لها مرحبا. Et alors deux choses, j'ai eu la même histoire, j'ai la même gynéco. Moi j'ai eu comment tu appelles ça, une calvitie dans le sécheresse dans le pas du tout un enflé le placenta en haut, tu vois, calcification. Calcification et moi je voulais voix basse mais étant donné que j'ai eu de la chance d'avoir dans mon entourage beaucoup de mamans qui voulaient absolument faire la voix basse ou là faire l'allaitement ou là faire des décisions fortes. Et je pense qu'il y a derrière les décisions fortes un manque d'informations. Ouais. J'arrive. Donc j'ai vu ça. Et en l'occurrence, on a une amie qui a fait un big postpartum. Baby blues. Un baby blues. Et dans ma famille aussi, un baby blues très sévère, tu vois. Ouais. Dans le sens où elle voulait absolument la voix basse. Elle a pas pu faire la voix basse. Et c'est pour ça que tu as dit le truc d'elle, on va essayer de faire en sorte d'avoir un accouchement comme tu veux. Elle a le prochain. Le lien, avec le bande qui compte l'oul. راه مهم سي سا اي هذاك الشيء ما راه فيه شويه ديال لاكوشمون ديال لا غروسيس مي فاش لا غروسيس كتكون صعيبه نخليو ان لاكوشمون يكون زوين سا بيتر اون فوا با سا بيتر اون سيزاريان سا بيتر ان ديكلانشمون اللي كان غير هو نحاول ناكومبانيو لي مامون ولا لي فامي حتى لو بابا اليوم كيكون امبليكي ان لاكوشمون يكون لو بلو دو بوسيبل باش هذاك لو بيبي كيجي و جو دي لا فيريتي لي زانفون فاش كيزادوا في ان اكوشمون اللي كان فيه الخبيط كان فيه الغوات والبكاء ولي ديسيبسيون سا كاين لامباكت على لانفون ما عنديش دي تروك سيانتيفيك مي زعما تو لو سان في النهارات الاولين مع ان انفون اللي يمكن سيزاريان ولكن لا ماما كانت فرحانه وشداتو يمكن كاع ما رضعاتو شداتو عنقاتو دي لا غروسيس يل ريسون تو تو لي سنتيمون دو لا ماما يل لي ريسون جي ان هيستوار افيك سا او لا لا جي لي لو dans le ventre de l'enfant, dans le ventre de la mère, l'enfant, même si il est intra-utérin, il peut comprendre les événements autour. Subhanallah. Et quand il naît, et genre, il a encore des souvenirs, genre à 3 ans, tu peux lui parler, il va te dire oui, je me rappelle. Et c'est chaud. Avec sa mythe. Tu vois, maman, ça arrive de se dire j'ai déjà vécu ça un jour. Alors qu'on l'a déjà. Alors, je vais nous arrêter avec Amina. Et Fatem Zahra, la maman. Ok, pas l'experte. Non. Pas la pharmacienne. Là. Fatem Zahra, la maman. Après, je vais nous arrêter avec Amina. Je vais nous arrêter les premières semaines. Ok. Comme ça, je vais nous arrêter. Je vais dire la casquette du docteur en pharmacie. Non, c'est ça. Je vais te dire caca. Oui, là, où l'aide. Ça fait 3 jours. Là, la bente, elle a 5 mois. Ça passe vite. Alors, Anna, je suis maman de deux garçons. Et mon fils est né à 10 ans, à 11 ans presque. Là. Oui. C'est un enfant qui a été très difficile. J'ai vécu ma grossesse en Espagne parce que j'ai accouché là-bas et c'est une mauvaise expérience, la vérité, parce que j'étais toute seule. Oh, je suis désolée. J'avais pas d'aide. En Espagne, ils vont te laisser faire ce que tu veux, ou là, si tu veux. Non, pas du tout. Tu es obligée d'accoucher par voix basse. Tu es obligée d'accoucher par voix basse. Oui, soi-disant, Zemara, c'est pour notre bien, c'est pour le bien du bébé, de la maman, vis-à-vis les médecins, c'est comme ça. Oui, parce que... Dans tout le cas, le choix. D'ailleurs, je les ai suppliés. Anna, j'ai commencé à avoir vers 4 heures du matin. Mm-hmm. J'ai accouché le lendemain à 8 heures du soir. Wow. Et le gynécologue, il venait, il me disait, il ouvrait la porte, il me disait,
Et le parto est ça, c'est l'accouchement, c'est comme ça. Il fermait la porte. C'était comme ça. Et c'est là où tu te dis, ouais, Aziz le Maghreb. Bah oui, je suis désolée. J'ai regretté de ne pas. Parce qu'au final, tu te dis, on est conciliant, on est dans. On n'est pas que dans le froid. Là, on n'est pas froid. On est dans, très dans la distance, tu vois. Dans pas je la ressentais... distance. Dans le... Des fois, ton gynéco, là, qui bride les césariennes, là, mais je suis qu'on a le flou, le Maghreb, on a dit les césariennes, tu as le flou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, qui bride la césarienne, pour ne pas laisser souffrir la ouais, maman. C'est ça. Bah, le sentiment de paternité ou de maternité avec les médecins. Alors, qui brise les cœurs, qui chauffe, le bassin est serré. En Espagne, même la péridurale, elle n'est pas permise. Tu dois signer, des charges. Des charges et tout ça. Anna, je les ai suppliés. Pour favor, la épidurale. Ou on m'a laissé jusqu'à 8 doigts. Alors, du coup, ton deuxième enfant, tu l'as fait en Espagne aussi, non? Comment? Ton le deuxième enfant En Espagne. Oui. Le premier à Jaén, le deuxième à Lilia. Voix basse. Voix basse. Les deux? Oui. Moi, le deuxième, je pense, Soulek, vu que tu as eu les. Je pense que tu es la seule à avoir deux voix basses, d'ailleurs. Mm-hmm. Le deuxième, voix basse. Est-ce que réellement, la c'est deuxième voix basse, qu'est-ce qu'on s'est mis l'eau, là? Pas du tout. Ah. Parce qu'en plus, Lilia, c'est encore pire. Je peux parler des détails, non? Ah, mais bien sûr, on est là pour les détails. Tu es chez toi, les chiffres de détails. On voulait même pas me faire l'épisio. Parce que c'est normal. Aux États-Unis, ils la font pas. Mais à la Réf, Maghreb, il y a des détails. Non, aux États-Unis, ils font souffert. Oui, mais aux États-Unis, non. Les détails, on en parle. Séchoir. Était là en train de sécher. Ta foufoune, parce que c'est naturel. Ça revient naturellement. L'épisio, c'est durant l'accouchement. L'épisio, c'est avant. C'est qui dit qui se mqiss ou qui hèle 2 cm comme ça. Tu vois, et ça a aidé à faire sortir le bébé. Moi, je pense qu'il y a une déchirure. Et non, après, tu laisses. C'est pour éviter la déchirure ou là qui déroule les épisios. Après. J'ai mal au cœur là. C'est pas ça. Normalement, ils préfèrent ne pas faire l'épisio parce que normalement, ils veulent te laisser. Ça naturel. Naturel. Ah, je sais. Et ils disent que même pour la guérison, pour la cicatrisation, c'est mieux. C'est vrai, j'ai remarqué ça. J'ai mieux cicatrisé, plus facilement. C'est ça. Ouais, au moment d'accoucher, là, c'était pénible. Je suis restée quand même une heure en train d'avoir les contractions où rien ne sortait. Et tu ne regrettes pas tes choix, non? T'aurais voulu aller. Mais c'est très difficile. Tu gardes dès que le souvenir comme un très mauvais souvenir. Un troisième enfant peut-être? Ben voilà, c'est ça. Chauffe la maman, elle oublie. Elle oublie tout, toute la souffrance. Une fois que tu vois ton bébé, ça fait qu'elle ne sait quoi le chier. Tu as envie de. Hier, j'ai rencontré une maman. Donc on est sur le baby show qui dure 4 jours. C'est un salon qui regroupe plusieurs marques et plusieurs créatrices. Et plusieurs vibes. Y compris Soivinex. Y compris Soivinex. Et aujourd'hui, on est dans le joli stand de Soivinex. Et une nana qui venait d'accoucher, elle me dit, Et je lui ai sorti la mtila que ma grand-mère me disait tout le temps. C'est pas mtila, mais c'est une expression. C'est du nhar twel ou zmen qser. C'est vrai, ça passe vite. Tout. Atidaba, tu me dis, ça fait 11 ans. Moi, j'ai accouché il y a 3 ans et demi. Et j'ai accouché, je peux te dire que pendant Covid et la classification du truc et maman malade et c'était dur. Ouais. C'était dur. Ouais. Tu donnes la vie, tu sais pas s'il y a quelqu'un dans ta famille qui va partir. Ouais. Tu vois, tu sais pas où. Et au final, kouchichi dos, alhamdoulilah. Kouchichi dos. On passe à poste. Donc 8 mois. Bravo, Zama. On a 2 expériences complètement différentes. Ben, fin quatre. Je venais à la maternité et les expériences. À chaque fois. والبارح واحد البنت صيفطات لي في انستغرام ان ميساج قالت لي ا طون افي انا قربت نولد اي سي مون بروميير اكوشمان ا طون افي است كو جوبت بور لا فوا باس ولا سيزارين باسكو موا جي فيكو لي دو اي انا مي فريمون جو ما ريبونس ايتي اليني مع شنو عشتو نتوما قلت ليها راه الولاده صعيبه شنو ما اختاريتي غير اختاري شي حاجه انت مقتنعه بها باش تكون زوينه باش تعيشيها بلين حيت كنسمعوا دي سيزاريان فوا فولونتي بعدا سورتو بار فوا باس وي tu dois avoir une force لا après il y a des voix basses qui passent crème comme on se le dit il y a des tout en fait c'est ça la beauté aussi de la maternité c'est que il y a pas de normes il y a pas de normes des choix on a une copine elle te dit
بحال تا ماما بقات تتغوت تخرجات. هي اون فيديو كو جو فيت افوار سي لا مامون دو راولا كي تبدا تتغوت حتى تخرجات. اي جي جامي كرو سا جوسكا كو جي اون في كو جوكوني ال ما دي جي بوسي اي ان 4 بوسي اي لي سارتي اي بلو ريان بلو. اون بارل دو 4 بوسي زعما العالم اون لامبا اوتور دو نو بيرسون نو با تدير انا ولدي جي نعس ولا انا ولدي تبارك ولا انا ولدي زلق انت كون ولدي زلق ما عندنا كومين كي دي سا سكو جو بو كونسيي او مامان زعما سي اون شوز كو جي فيت دوران مون دوزيام ما دوزيام غروسيس سي تمر لو ديرني تريمستر بون لي ديرني لو ديرني مو لو نو باوي سي لوسيتوسين تمر تمر جو جور سا سا مارش بور لي كونتراكسيون سا فاسيليتي كونتراكسيون سا سا ديمينو داك les douleurs, les contractions qui jouent bien sûr, les douleurs, oh là, elles sont minimes. Mais au moment de l'accouchement, c'est un conseil deux ans. Exact. Amina, on revient avec toi, Oultine, tu es à la clinique. Je voulais que mon sang, c'est une fille. Oui. Tu l'as appelée comment? Zaina. Zaina, j'imagine qu'elle va être belle, qu'elle va être Zina, après sa maman. Alors, je voulais que Zaina, belle Hassiti. Alors, j'étais... Bon, le bloc, c'est vrai que j'ai beau halifé, je compte me dire sur la table de... Ah oui, oui, oui. Nous, on a eu Covid, quand on a eu Covid. Non, je n'ai pas eu Covid. J'avais eu Covid. Je suis allée, je lui ai dit, le docteur Blkhiyad, je lui ai dit, dans deux ans, tu me refais un bébé, on arrête ça, tu as des varices. Je lui ai dit, ok, je... Mais Allah, il s'est dit, oulou. Alors, tu as eu le bloc. Je n'ai pas eu l'impression. J'avais envie de pleurer. C'est vrai. Oui, mais c'était une très belle sensation. Vraiment, c'est une très belle sensation. Surtout que j'étais pas. Bon, j'étais consciente. Ok, alors, ça c'est césarienne, j'étais pas. Tu es pas dans les vagues. Exactement. Je suis consciente. Je l'ai embrassée. J'ai eu le temps de la caresser et tout. Bon, après, d'abord. Ouais. Après, une fois que tu l'as, la chambre, franchement, le premier jour, c'était bien. Alors, question. Parce que je me reconnais, on partage la même gynéco. Oui. Ah ouais. Anna, je pense qu'il y a certaines mamans comme moi, zéro culpabilité, mais c'est boileau. Je suis ton enfant. Ah ben écoute, on moi est. Moi c'est pire. T'as dit non. Anna, c'est le nom. Ah. Voilà. Oui, t'as oublié, je lui ai dit non. Parce qu'il était tout bleu, ou qu'il y a un dos la nuque, bhala ka, alors j'ai pensé que, ou le tchè, je marche. Ah, donc, oublie d'être la voix basse, qui est trop bizarre. Son chouette, l'ouvre, tu vas chercher, oublie l'eau, non. Anna, pour mon aîné, c'était une césarienne. J'attends, oublie, à rouge rose, aux arts. Au lieu de dire, oh, il est beau, il ne peut pas être mon enfant. je ne me suis pas approprié l'enfant. Il est pareil. J'ai mis beaucoup de temps pour me dire que c'est mon enfant. Définis beaucoup. Un mois. Moi, j'ai dit à mon enfant que. Tu dis de moi. Bonjour, mon amour. Tu es quand tu as un ou l'été en brève, tu es quand tu as un jour. Mais si tu es en brève, parce que j'avais la distance, c'est qu'à un moment, j'étais automatique. Moi, on me l'a donné. La couche. Et moi, je suis dans un. Moi, je pense que j'ai un mécanisme. Quand je stresse, je suis en mode robot. Il faut que je fasse les trucs, tu vois. Taf, 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 taf. Il faut que je lui donne à manger. Et ma question initiale, c'était même pas ça. C'était mettre avec la clinique, mettre avec la chambre, ou je n'ai assis ma ou la beauté la nurserie. Non. Je n'ai assis ma vie. Mais c'est vrai que bon, j'avais de l'aide quand je n'ai ma maman. Okay. Ah, voilà. Alors, encore une fois. J'arrivais pas à me lever et tout. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Oui. Un an ديتلهم تلتيام هبطوا عزيز عليا وكنخليوها جيم بيان مي شو ديزولي جو بونس اي كون دو مانيير تري كونفانكو سي فو بلي زيرو كولبابيليزاسيون اي جو نو مي جوجي با نو سي با سا سي كي سيغمون دي مامان كي فون سو ريكونيتر انا جو سوي دانز اون كلينيك او يا دي نيرس او يا دي فام دي ساج فام يا دي ميديسان كي سون لا بور لا مامان داكور اي لانفان اي فا ايتر بري ان شارج تو وا انا ديتلهم فوالا ديتلهم بوندون 3 جور تو فيان دافوار 7 كوش كي سو هذا اي سي 7 كوش ياك تو كونفيرم الوغ ديرني ما عرفت انهم كيحلوا 7 كوش وكيخيطوا غير 3 اكزاكت انا عرفت ياك شفتها في ان باسكو الاخرين تي cicatrice naturellement. Bref, tout ça pour te dire que à bout de somme, dites-le moi, tu le tiens plutôt la clinique. Alors, simplement, ma fille, j'ai attaqué un biberon parce que moi, c'était ma phobie. Un homme, j'ai attaqué un biberon. Alors, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai accouché à la clinique Grandi. Okay. À la clinique Grandi, il y a Mme Hidioui, qui est la c'est pas la coach, mais l'infirmière,
patronne à nous tuma ديال لي سينا هذا كي انتروديو le la pipette, c'est-à-dire les trois premiers jours le colostrum tu les donnes avec la pipette, tu vois. Okay. Et sincèrement moi c'est pas que j'ai pas fait de projet de naissance ni rien, c'est que je suis dans le zéro stress et l'hygiène. Je peux pas être en mode culpabilisation. Un autre biberon, un de lait artificiel. La vie, elle est très compliquée. Tu avais les idées très claires. La vie est très compliquée. Alors, s'il te plaît, Amina, toi, tu voulais allaiter ou là? Ok, très bien. Tu voulais allaiter exclusivement Menhar Loul ou là tu avais l'intention d'introduire un biberon, lire le ménage ou là. Mais c'était quoi ton projet allaitement? Alors, moi, ce qu'il faut savoir, contrairement à toi, c'est que je culpabilisais à mort. Je voulais absolument allaiter, je voulais, mais j'avais pas beaucoup de lait et je pense que c'est dû au fait que j'ai perdu mon appétit complètement après l'accouchement. Après, je fais que je. Mais c'est bizarre, j'ai eu la même chose. Oui. Ben, et ça du coup, et du coup je... alors que zéro moi, appétit alors, oui, moi je mangeais zéro appétit et du coup je rentrais dans un cercle et je me disais ah merde je mange pas donc j'ai pas à avoir de lait c'est psychologique et le alors stress jouait beaucoup. Est-ce que c'est naturel d'avoir des baisses d'appétit comme ça? Normalement c'est des natures, c'est des natures, il doit pas... être de nature comme ça déjà. Ok, elle n'a pas trop d'appétit quand tu stresses ou là quand tu angoisses, c'est en rapport avec l'estomac. Oui. Donc tu dois être de nature comme ça. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Du coup c'était un vrai défi pour moi. J'essayais de bien manger tous les jours. Bon, j'avais quand même dit je suis de l'huile. J'ai quand même réussi à allaiter environ deux mois et demi. On a tendance à dire que deux mois à Klila, mais à deux mois à Stinium Djerda. Tu es Stinium Djerda. Allaitement exclusif? Non, je me faisais aider un peu. Tu as intégré un biberon? Oui. Ok, d'accord. J'ai intégré un, surtout le soin. Oui, ok. Tu faisais de l'allaitement mixte. Mais après... Et il n'a pas eu la confusion? Non. Tout va bien? Alors, en parlant de mais je vais te demander de dire la confusion. On en parle beaucoup et c'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive... Et ma question est à ta casquette de spécialiste. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive à avoir des biberons il doit ressembler au maximum au mamelon, le sein. En fait, c'est drôle parce que je ne sais pas si c'est pour les gens, c'est quelle caméra que tu veux, il ressemble vraiment à un téton. C'est pas le biberon mignon. C'est un téton. Désolée. Même la couleur. Oui. Bon, c'est vrai. Tu as remarqué qu'il s'ouvrait d'en bas? Ah, pour nettoyer. Mais, non, pas du tout. Oui. Meuf, viens, je te montre. Là, c'est le nouveau biberon de Swavinex. Ça fait la poche en silicone. Alors, c'est très bien que tu aies fait ça parce que j'ai découvert ça. C'est pour vous montrer qu'on est totalement naturel sur ce podcast. Regarde. Ouais, il faut vous avoir ça. Alors. انا راه كنكتشف alors tu as كنكتشف العربيه انا جو كوني سو بيبران باسكو il a fait fureur en Espagne. Ouais. En Europe il y a eu de bon, moi c'est ça qui m'a intéressé le plus. On va décortiquer, on va faire une autopsie de ce biberon. tu as combien de phases, tu as combien de pièces? Tu en as 5. Là هذه وحده غادي كتحيد لا واه زعما لا كتحيد. Tu as ça, c'est la coque, ça c'est l'intérieur qui ne prend que le lait. Ouais. Et qui n'est pas censé avoir de d'air. Mm. Et quand le bébé, il absorbe, donc du coup, l'air, il est... Tu bois une bouteille d'eau ou tu enlèves l'air et la bouteille, t'as d'air... Bah, pareil. D'accord. Bon, ça, c'est pour faciliter l'entrée. Elle et fonctionne ça, c'est exactement comme le font les glandes de ma mère. Ah, okay. Parce qu'au fur et à mesure que la succion se passe, elle se contracte. Dès que la contraction, elle fait disparaître dès que les bulles d'air. Ok. Donc, elle met au 0-0 parce qu'il ne fait pas passer de, l'air. Il ne fait passer aucune bulle okay. d'air. Ah, mais c'est super intéressant. Donc, du coup, c'est zéro colique. C'est l'air qui font les coliques. Bien sûr. On est d'accord. Oui. Et alors, zéro distance, c'est quoi?
Comment ça? Il y a écrit zéro confusion. On a compris. Mais zéro distance, c'est par rapport au corps de la maman. Ah, zéro distance. C'est par rapport au... C'est par rapport au sein de la maman. Ah. La couleur. La couleur. Okay, mais Amina... Sauf la texture, moi j'ai remarqué que la texture de la tétine, elle est ultra douce. Ah, mais vraiment, au toucher, j'aurais aimé que les gens puissent... Moi aussi, je l'utilisais d'ailleurs. C'est vrai. Quand je donnais pas le sein, tu sais Raoul, ce qui est bien fait dedans. Passe-moi le emballage. À part les coliques, à part les coliques, c'est même trop bien pour les reflux. Parce que oui, parce que l'inclinaison de la tétine, elle fait que qu'elle soit bien positionnée sur la bouche. On est d'accord que d'une manière le bon, j'imagine qu'elle est tête. Ouais, c'est juste par protection. Ah d'arrive parce que la maman il a brassé le à débit lent. Ah, mais c'est sûr, c'est du débit que je parlais. Il est à débit lent, mais ben, c'est normal parce que autrement c'est là où on a la confusion. Bah mettre quand je confusion. Synthétine, pardon. Ouais, dis-moi. Qu'est-ce que c'est? Là, tiens, qu'est-ce que c'est? Parce que regarde le petit trou. Le petit trou, il est pas là. Il est là. Fort. Ça permet au bébé de fournir le même effort qu'il fournit. Mais c'est ouf. Je veux avoir un enfant. Alors, t'es où, chez bébé? Ça donne envie. Est-ce qu'il y a différentes tailles? Oui, j'imagine qu'il y a différentes tailles. Il y a différents débits, je pense. Débits, mais le lait plus grand. Ah, ouais, t'as gagné. Ok. Ouais, vraiment. Vraiment. Je pense que le débit qui est laissé à l'âge de l'enfant. Ouais. Parce que, bon, l'effort et tout. Elle a les coliques, au bout de la Amina. فاش كيتسيف انا كنسمع كيتسيف عليك لو بيبي ابري واحد 15 جور 3 سيمين كيكون في الاول كترضيه كتحطيه كينعس واحد الوقيته كتبقاي تحطيه كيبدا يوعوا كتوصل للست العشيه انا كنسميه الحماق ديال المغرب كيوصل المغرب كيبدا يبان دي شارج دو لا جورني وهذا كنعرفوها من بعد دابا كان سمح لي انا دابا لا مي فري زعما سا سي دي تروك تو كوني ابري ان موا دو موا فاش كدوزي واحد 3 ساعات في النهار في جوجل وابري تو كومونس ابلي تي كوبين اي تو ولا Quand tu vas sur Graines de Vie, c'est pour ça qu'Eunie a eu l'idée de Graines de Vie, c'est on ça. On a eu l'idée. Mais oui, mais bon, ouais. c'était ton idée principalement, ouais. Et c'est vrai parce que hier, elle a eu ce besoin. Il faut que je regarde tous les Marocains ont besoin. Telle fine, disponible sur Internet. Et dit que si fait la lazaina. Comment toi tu l'as traduit Harlow? Ah, j'étais affolée. Je me disais, mais c'est quoi? Surtout que ça se répétait tous les jours, vers très bien la même heure, à partir de 9h du soir. Donc, ouais, tous les jours, j'appréhendais qu'un gounari, hier, et rebelote chaque jour. Bon, la vérité, moi, d'après mon expérience, je pense qu'il n'y a pas un remède miracle. C'est même qu'il y a un remède miracle sur un certain remède ou les coliques. Je pense. Après, il y a des trucs pour soulager, pour apaiser, ouais, pour l'aider à avoir moins de coliques. Mais d'après mon expérience, c'est ce que je pense. Alors toi, en tant que maman, qu'est-ce que tu as fait pour soulager? Avis d'expert. Alors j'ai tout essayé, moyens naturels, que ce soit avec les massages. Les massages. Okay. En même temps, les calmagas. Les tisanes. Les tisanes, genre, pas le carouilla, des trucs comme ça. Camon Sophie, oui. Tu as pu lui donner ça. Oui, oui. Enfin, est-ce que c'est recommandé? Non, normalement, non. Ok. Donc, mais attends, tu as parlé de pédiatre, parce que j'ai eu le même truc. Tu as ma pédiatre, elle m'a dit écoute, le karaya, mais à un moment, il y a la kinfe, d'akshi. Et elle a raison. Mais scientifiquement, on a peur du dosage. Moi, je préfère que ça soit exactement, que ça soit plus... Alors, on va éviter, s'il vous plaît. C'est ça. Aujourd'hui, je pense qu'en pharmacie, vous pouvez trouver... j'ai pas envie de dire de marque, mais... Il y a des gouttes maintenant. Il y a des gouttes que moi, j'ai données à mon enfant qui marchent super bien. On va éviter. Et c'est pour ça. C'est pour le dosage qu'on préfère se diriger à la médication qui est plus précise et plus... Et c'est homéopathique. Ça veut dire que c'est rien d'industriel. C'est pas d'action dans son bouffe. Exactement. C'est à base d'extraits végétaux ou bien... Voilà. Maintenant, on choisit plus la médication parce que Kane, de toute façon, des gouttes à base d'extraits végétaux ou bien à base de probiotiques. Donc, ça reste toujours dans le naturel. Ouais. Je ne vois pas pourquoi on va aller chercher nous-mêmes, ça m'a quoi donner, alors qu'il y a des solutions qui sont précises, bien précises, en termes de dosage et tout ça. On ne veut pas risquer. Alors, oui, tu me souviens qu'elle a
انا جوري تيلمون فولو وما كنتش عندي صراع داخلي ما كنبغيش نعطي لولادي لا تيتين باسكو كنبقى نفكر نهار بغي نحيدها ولا ولا لوف انتي سعدات ماشي سعداتي انا جو شوازي لا سوليوشن ou la maman, parce que, alors, juste en résumé, le niveau de stabilité émotionnelle de l'enfant est basé sur, selon beaucoup d'études, sur le niveau de happiness de la maman. Ben, d'accord. Il a quand même dit bien ou bien, et je vais être une meilleure maman. Oui. Peut-être la tétine et la vérité. Bien. Non, mais je fais des attaches tétines. Tu vois, d'ailleurs, tu as trouvé la tâche tétine derrière. Ouais, elles sont canon. De très belles attaches tétines. Et je me rends compte, depuis tout à l'heure, je te vois et je vois le panel de trucs derrière. Qu'en fait, ils ont des collections, tu vois, de couleurs. Donc, c'est des couleurs par rose, bleu ciel. Comme là, tu peux avoir des assemblages sympathiques, tu vois. Donc, mais tu peux être hyper. Moi, je voulais poser la question par rapport effectivement à la tétine. La tétine, il faut juste savoir choisir la tétine. La tétine qui lui va. Parce que je suis contre dès que les tétines, je suis. Pardon, on va pas dire les marques. Les tétines qui sont rondes. Elles sont plates, il n'y a pas de mal. En plus, elles sont flexibles. Est-ce que ça calme les coliques? Ça calme les coliques et ça calme même les reflux. Non. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai raté? Elle est brûlée, ça. Elle est brûlée? Non. La vérité, en plus, j'ai eu de la chance parce que même quand tu as fait la tétine de l'île, je n'ai pas réussi à faire. C'est ça, quand je suis en train de me faire, mais en même temps... Ou là, c'est le scotch haka? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On l'a vu dernièrement sur les réseaux. Mais tu sais, je connais pas mal de mamans qui ont donné la tétine, pas pour l'endormissement, ouais. Mais pour les coliques. Pour les coliques. Mais c'est d'arorine, c'est bien. Parce qu'il a besoin d'être consolé. Mais elle fait qu'il y a une skin, mais tout, alors la tétine, qu'elle me fait. Elle n'est pas... C'est pas un diable. C'est ça. C'est pas une malédiction. Tu vois? Mais est-ce que ça peut aider? Ça aide les coliques parce que ça l'aide à le calmer, à le consoler. Ça, c'est aussi un truc de... C'est un stérilisateur de biberon. De tétine, pardon. Là, moi, je sais que je vais... Je n'ai pas d'enfant, mais je veux bien avoir une fille, là. Tout le monde veut avoir une fille. C'est très pratique, surtout quand tu es dehors. Qu'au début, tu la mets dans ta bouche, mais on va dire que les bactéries, les apprêts, ouais, Non, c'est... Moi, la vérité, je ne fais pas. Je ne fais pas beaucoup. Moi, j'en ai acheté, mais elle n'est Après, tu vois, genre, j'ai celle-ci, j'ai les phosphorescentes. Après, ce qu'il y a, le conseil que je donne aux mamans, la vérité... Les tétines, c'est pour la première année maximum. Après semaine. Surtout, oui. Ouais. C'est surtout pour la déformation du palais. Après, les dents, elles sont déformées. Mais si. Je vais te dire, Damien, sincèrement, je veux des techniques parce que, comme ça, on est d'autres mamans qui ont la tétine. À ce moment-là, il faut choisir la tétine. Il faut savoir choisir la tétine. Dès le début, on choisit dès que le modèle, il est plat. Flexible, comme ça, mais il ne déforme pas le palais. Moi, je sais que j'avais une tétine, vous les connaissez tous, mais je ne vais pas dire la marque, ronde, tu vois, et qui sort. Et genre, même quand toi, t'es maman et tu l'essayes, t'es comme ça. Je me dis, moi. C'est ce que j'allais te dire. Moi, si j'ai acheté, elle n'a pas adopté. Non, pas du tout. Et tu sais, ça aussi, c'est un silicone et je pense que tu le mets dans la. C'est un anneau de dentition. Ça peut être un anneau de dentition, tu vois, et c'est en silicone, donc ça, j'imagine que c'est traité aussi. Mais la petite histoire que j'ai faite, c'est que j'ai dit à Neilo, mon fils s'appelle Neil, que ça y est, la tétinée, il faut qu'elle parte à la retraite. Donc, bye bye maman, c'est très bien. Ça marche, il faut juste leur parler, je pense. Bien sûr. D'abord, on va revenir à Amina et Brit Nsoulek. D'abord, Zeyna a 8 mois. Zeyna est diversifiée aujourd'hui, elle mange. C'est génial. Parce que d'abord, on va revenir à la maman. Fin ouslat Zeyna. C'est un truc très intéressant parce que quand on dit n'importe quelle serviette, tu peux la. D'accord. Non, c'est génial. Cool, alors, vous êtes pharmacienne, Jobini. Tu es en rapport avec En gros, juste que je comprenne, tu mets la serviette là et tu mets la serviette là, ça devient un bavoir. Ça devient un bavoir. C'est trop cool. C'est trop cool. Parce que moi, le bavard, ma prochaine. Non, mais écoute, ça sert, mais ça aussi, c'est génial. Moi, ma question est, tu as introduit le makla à quel âge? À partir de
Quel mois? 5 mois et demi. Ah, c'est ce que recommandent aujourd'hui les médecins. Mais après, on a l'école d'il 4 mois. Exactement. On a d'il 6 mois et demi, 7 oui. mois l'équipe de Grosso. Ouais. Tu as introduit les soupes, les purées. J'ai commencé par les légumes, oui, les soupes, en effet. Je faisais, enfin, la pédiatre m'avait recommandé de faire un légume 3 jours. Ouais. Ah, éviter, tiens, non, pareil. Éviter, c'est trop bien pour les allergies. Pour éviter les allergies, oui. Alors, j'avais commencé par. Pour savoir lequel peut produire. J'ai commencé par la carotte, ensuite la courgette. Désolée, je suis en train de berger pour voir ce qu'il y a là. En fait, Anna, je te dis un truc, moi, ma fille, mais moi, j'ai fait, j'ai pas fait la diversification classique. Moi, c'est l'équipe folle qui fait la DME, la diversification menée par l'enfant. Mm-hmm. C'est-à-dire, l'enfant mange nhar loul traf. D'accord. Jamais de purée, jamais de soupe. Et, depuis quel âge 6 mois. Enfin, je suis 6 mois. Est-ce que je veux trop avoir une fille? Désolée. Je vais nader les cas. Anna, chauffe avec mon chéri Balif. Flore, les choses à dire. Il y a Anna. Je fais le wadra de l'arabie. L'arabie. كليك فاش كيبداو يجلسوا كنديروا الماكله طايبه بزاف كتمعس غير باليدين ما كيحتاجوش هما السنان يسوفي انهم يديروا كيمعسوها غير بلاجانسيف ديالهم بون جي ديجا ان انفون كي ا 3 ans كي ا غاندي كوم سا مي سا سي اكسيبسيونيل tu n'as pas peur des fausses routes je te dis la vérité moi j'ai fait une formation premier secours et je recommande aux mamans de le faire comme ça ils seront à l'aise ما كنندوش et بيني وبين c'est une formation اللي تف لي بوريغ سات دار حيت les enfants dans les formations graines de vie on en organise كاين partout Restez connectés sur grainesdevie.ma et sur Instagram, on organise pour les mamans, et pour nous c'est important. Alors, mais si, rien que le rêve, il pourrait dire quelque chose à fumo et quand on laisse un petit drame, on a envie d'éviter les drames. Mais mon enfant n'a jamais fait de fausse route. Parce que quelqu'un gueule, la chaise autre, des conditions pour je dirais la dame. Pour moi, 6 mois, c'est encore trop tôt. Oui, on est d'accord. 6 mois ou 4 mois? Non, 6 mois pour la dame. Ah ok. Pour mon aîné c'était 6 mois et demi fait je vais glisse pour Elia c'était 5 mois et demi d'abord fait je vais glisse mais ça c'est révolutionnaire pour moi parce que Anna Matalan ma canchelish les bavoirs ma canchelish les photos quand dire bhal haka mais les restos c'est un problème parce que les ashab dame qui ياكلوا معاك le resto c'est مشهور oui et ça ben oui fait je kiffe de glisse parce que et si je fais chez autre et ça je trouve ça génial après non, c'est cool la vérité en plus tu peux avoir tu peux avoir la collection cool là, tu vois, qui ressemble quand tu es hyper Instagrammable. Les qui se mettent, on a sur YouTube, je trouve la vidéo, c'est trop chaud. Ah, ne me poussez pas à faire un troisième, à faire quoi. Ah, c'est exactement le genre de truc qui te pousse à, là. Qui te pousse à faire un troisième. Mais là, عندك. Je sais pas si c'est une erreur, mais tu crois que le troisième, c'est souvent pour le plaisir, tu vois. Non. Parce que tu fais le premier pour Nes, le deuxième, je goûte le rock contre les joueurs d'eau, le troisième, c'est que je suis ruiné financièrement. Ouais, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Alors, Britain Soulek. Mais elle t'en tient à sa petite nourriture. Mais elle t'en tient à chèque. Britain Soulek, elle a l'alimentation des enfants. Je sais qu'aujourd'hui, on accompagne le mec de l'oulidette, mais des vitamines pour compléter. Parce que l'oulidette, non, il y a un peu de surtout les qui prennent le lait infantile qui est le lait de la pharmacie واش نصحي لي مامون ولا لي بابا اللي كيتفرجوا فينا انهم يدخلوا دي غوت اولا اون فيتامين اولا شي حاجه اللي تقدر تكومبليتي لاليمونطاسيون ديالو سي لونفون اي نورمال سي لو بيبي اي نورمال ما عندو ني انيمي ني كارونس دو زعما كونو دو شي حاجه اي فو ميو ريستي ناتوريل sinon si on voit qu'il est en carence de quelque chose ou là d'après des analyses ou là tu sais on pourrait moi j'apprécie en période de la réponse de مثلاً où l'immunité baisse par exemple les périodes de froid ou là changement saisonnier ou là on peut les aider ou la booster chez l'immunité il y a pas de mal en ça mais la nature ça reste la meilleure des choses on pouvait pas mieux finir on pouvait pas mieux finir parce que sorti de la bouche d'une pharmacienne qui te dit je suis allée comme pas la médicament ou la médicamentation on va dire ça c'est nécessaire ça c'est nécessaire et pas exactement. Automatique tu vas bien aujourd'hui oui je suis là et toi après 11 ans ça va oui, tout va bien, tu veux pas faire un troisième? Fatem Zara vient du futur pour nous. Pourquoi ça se passe bien? Ça se passe comment? Mais comme je n'ai plus l'âge, je crois. On est en 2024, tout est possible. Exact.
En tout cas, c'est un كل شيء بالمكاتب. Exactement. Bah les filles, انا كنشكركم بزاف بزاف كنقول les filles عرفتي علاش حيت حنا باقيين صغار عرفتكم les enfants c'est bien ouais ils sont là mais on est jeunes regardez là il est très jeune. Et c'était un plaisir. Guys, on se retrouve sur YouTube, sur Spotify et sur Apple Podcast et surtout sur Instagram pour tout les actualités. Badrat al-hayat l'arabia .ma. Non même pas Badrat al-hayat. Badrat al-hayat .ma et graines de vie .ma. Voilà. Pour les arabophones, pour les francophones, ma nhtajch nqol lkom anna had le podcast a été offert lkom kamlin, ntouma les nouvelles mamans, les nouveaux papas par Soivinex qui est une marque qui se soucie de l'enfant, de sa santé, de la maman surtout parce que ça facilite énormément la vie de maman et surtout de l'esthétique. On n'a plus envie pour nos comptes Instagram d'avoir, non c'est pas vrai, c'est une blague, mais c'est aussi pour nos yeux d'avoir des trucs bhala kazwinin. Je remercie Lala Lghzala, notre pharmacienne qui nous a, qui au-delà de son métier, qui est une maman exceptionnelle. Merci. Et Emina, je suis très contente d'avoir avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. La super maman, merci. La super amie. Et toi surtout. Merci. Je remercie l'équipe qui est derrière, c'est une équipe formidable qui nous sourit depuis tout à l'heure. Et dont le papa ne vit que par Soivinex, parce que son enfant, c'est le seul biberon qu'il a pris, c'était Soivinex. Donc voilà, merci Yahya. Encore très content d'être dans une team de folie. Merci à toute l'équipe Soivinex de nous avoir fait confiance. Et à très vite. Inch'Allah. Salam alaikum. Merci. Merci.